Coucou, c'est Rova et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc le vlog de la FBL 2019. On est actuellement le 30 octobre 2019 et la FBL commence demain. Pour moi, je pars à 9h, à 8h30. Et il est temps de faire les sacs. Temps de faire les sacs, donc on va aller tout chercher et tout ranger. C'est parti! Eh ben c'est bon, tout est fait. Il reste plus qu'à attendre demain et 2 heures de train. Bonjour. Salut tous. Bon, on est en route vers l'hôtel, on est bientôt arrivé. J'ai recroisé Paola à l'arrivée. Bonjour. Salut. Bon, on va bientôt y être, on va tout décharger et on va commencer le fun. Tu as prévu quoi toi? Rien de spécial, franchement, c'est la première fois que j'y vais, donc je sais pas du tout comment ça va fonctionner. Elle va arriver dans sa chambre, elle va dormir. Ouais, non, franchement, ouais. Et on vient d'arriver, j'ai le dos en compote, mon sac était si lourd. Par contre la chambre est géniale, la chambre est vraiment géniale. Regardez-moi ça, je vous présente la salle de bain. Du luxe, du luxe, du luxe, du luxe, une baignoire si jamais j'ai du temps à perdre, ce qui ne sera pas le cas. Hop, et là nous arrivons dans la chambre, magnifique télé, etc. Des lits qui font 10 mètres d'épaisseur. Très franchement, on devrait avoir quoi faire. Bon alors, on a tout récupéré. On a eu notre magnifique petit badge de la FBL ainsi qu'un conbook. Ils en avaient pas l'année dernière, donc c'est bien qu'ils en aient un aujourd'hui. Donc on commence avec une magnifique œuvre de Xeno. De Xeno, hop là, on a un petit fascicule. Un petit plan du planning. Un petit plan de planning aussi qui est fort utile. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je sais déjà tout ce que je vais faire, donc c'est tout bon. Et ceci, vous voyez peut-être un carré blanc, mais moi je vois un sticker FBL transparent. Enfin, il est assez dur à voir, je pense pas que vous le verrez, mais il est très joli. La Dealer's Den pour ceux qui veulent s'acheter des commissions, tout plein de choses sur toutes les activités qu'il va y avoir. Et à nouveau, les plannings en grand format. Et à la fin, nous avons un magnifique poster. Ça a l'air pas mal tout ça. C'est parti. Alors, vous avez envie de voir la purge ou pas? Ah oui, oui, oui. Bon, je prends. Je m'envie, moi. Couché. Bon, vas-y, enlève le drap. Non, c'est quoi? Bon, vas-y, bon, enlève le drap. Oh, elle est jolie, oh, elle est belle. Oh ouais. Alors oui, c'est une partielle, forcément. It's not a full process, of course. It's free. Laisse mon carton tranquille, j'en ai besoin. Je le veux. Oui, c'est une partielle parce que forcément. Il y en a beaucoup là. Donnez-moi le carton. Jean qui la gagne, Michel qui la gagne. Forcément, je ne pourrais pas faire un body. Bon, c'est déjà pas mal, hein. C'est gratuit, hein. C'est cadeau. It's free, voilà. C'est free. Donc, pour faire court, c'est. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Pas perturber le monde, laisse. On va pas y arriver, hein. Foutez-le dehors. Il a remis le drap, hein. C'est un peu de décence, bref. Bon, c'est... Celui qui va la gagner, s'il vous plaît, il y a une chose que je ne voudrais pas que vous fassiez. La vendre. C'est la vendre. The guy who's gonna win this pursuit, please don't sell it, please. Voilà, la vendez pas, hein, c'est ce cadeau, hein, on ne fait pas un bébé dans le dos, la rendre. It's the only condition. Pour moi, par contre, c'est fait quand même. Donc c'est entièrement gratuit, vous pouvez en prendre, vous en prenez soin, enfin, vous en faites ce que vous voulez, sauf la rendre. You can do whatever you want with it, just don't sell it again. Donc comment ça marche? C'est simple.
Vous avez un petit numéro, vous attendez, qui se trouve sur votre badge. Tu as ton badge number? T'as pas mon badge? Je sais pas. T'es niqué. Tant pis pour toi. Si je pas la c'est con, mais bon, on va s'arranger. Il va sur mail. Mais normalement, vous avez un numéro hein, quand vous êtes inscrit. Yeah, if you don't have your badge, you're supposed to know your. Voilà, donc vous pouvez number. Connaître votre numéro de d'inscription sur le site. Ah, oui, donc c'est ça, je vais tirer un numéro au sort. Je ou quelqu'un va tirer un numéro au sort. Il n'y a pas de trucage, hein, je ne suis pas là pour ça non plus. J'ai mis tous les numéros, les attendis, 317 numéros là-dedans. All the numbers are on the back. Donc, sauf les gagnants de l'année dernière. Except the winners of this. Pour ne pas gagner deux fois suite d'affilée, pour ne pas déconner. Donc, j'ai pris le petit papier qui mangeait, comme ça, vous l'aurez pas. Non, c'était 23. Ah oui. Bon, enfin, si je commence ou je commence pas? Oui, allez. Allez, go! Go! Allez! Wouh! Qui c'est qui va tirer le numéro? Qui c'est qui va tirer le numéro? Bah, le cri. Comment est-ce que tu vas pas y arriver avec ton sabot? Ouais, c'est pas con ça. Allez, de la 6 heures, là, le gagnant est dernier. Yeah! Allez. Tout autant de modestie qu'il y a derrière. Fais gaffe, hein. Un seul. Only one number. Le petit papier. Qu'est-ce que c'est? Allez, le gagnant number is 73. 73. Il est où 73? Number 73. Ah, il est là, super, on peut le faire. Merci. Yeah! Elle range! The convention is open.
Il observe les gens. Il est là. Il observe. Nyeh. Bon, il est samedi matin, on est le troisième jour de la convention. C'est déjà passé beaucoup de choses, et même après une nuit de 8 heures de sommeil, on est encore crevé. Mais on doit tenir, on va courir encore partout, il y a beaucoup d'activités qui nous attendent, à commencer par un tournoi Smash Bros à 10h. On va encore avoir des artistes à voir, des fursuites à prendre en photo, nous-mêmes fursuités, et on va avoir aussi une dance à la fin de la journée. Après la cérémonie d'ouverture et un resto sushi. We'll be right back.
Coucou, c'est Rova, j'espère que la vidéo vous a plu. Désolé pour le temps qu'il a fallu pour le montage et la sortir sur YouTube. Il se trouve que j'ai déménagé et ça m'a pris beaucoup de mon temps. Il se trouve également qu'il y a Pokémon Épée et Bouclier qui sont sortis et qui m'a pris également beaucoup de mon temps. En tant que gros fan hardcore, j'ai dû tryhard le jeu autant que possible. Maintenant que tout ça est passé, je vais pouvoir reprendre un rythme de vidéo normal. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon groupe Telegram The Fluff avec le lien en description. Merci encore à tous les amis que j'ai pu voir à la FBL, vraiment vous êtes géniaux. Et j'espère très vite vous revoir pour une autre vidéo. Ronron.